Bonjour, c'est Margaret et bienvenue dans ma cuisine pour un cours hors série Dessine-moi des sons. J'ai trouvé 8 instruments qui sont chez moi, que j'ai collectionnés depuis de nombreuses années. Je vais vous les jouer, je vais vous les présenter et vous allez les dessiner. Vous allez laisser aller votre imaginaire et dessiner des sons. Alors, pour ceci, il vous faut plein de crayons, de stylos feutres, de tout ce que vous voulez, des néocolores et évidemment du papier. Alors là, je peux vous montrer tout simplement sur une feuille de papier, mais vous pourrez aussi prendre plusieurs feuilles de papier. Vous pouvez en fait faire comme vous voulez. Je vais juste vous montrer. On va, pour une feuille de papier, on va d'abord diviser en deux, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va encore diviser en deux. Donc, ça fait trois traits dans la feuille. Comme ceci. Et comme ceci. Donc, j'ai un, deux, trois, quatre cases, comme ça. Hein, trois traits et quatre cases. Et je vais tourner ma feuille. Et je vais diviser la feuille comme ceci. Et voilà. Donc, j'ai huit différentes cases. Hein? Je vous laisse faire pause sur la vidéo pour aller chercher plein de crayons, stylos, néocolores, de couleurs et pour trouver une ou plein de feuilles de papier pour dessiner des sons. Alors l'idée, je vais vous jouer chaque fois un son, un instrument et vous allez choisir une case et dessiner dans cette case ou dessiner sur une feuille et après changer de feuille. Voilà. Premier son, ce sont des petites cloches que j'ai achetées à Bali, en Indonésie, et elles sont petites et elles sont très belles. Voilà, si tu n'as pas fini de dessiner, tu fais pause sur la vidéo et tu finis ton dessin tranquillement. Deuxième case, deuxième son. Ceci est un petit tambourin avec une peau de chèvre et j'ai des baguettes un peu, des sortes de balais un peu durs. Tu peux faire pause sur la vidéo si t'as pas fini ton dessin et continuer tranquillement ton dessin. Troisième case, ici j'ai un flexaton. C'est un instrument moderne et aussi utilisé dans les dessins animés. Voilà, tu fais pause, tu finis ton dessin. Quatrième son, quatrième case, j'ai une petite guica ici où c'est la corde qui frotte sur une petite peau.
Voilà, continue ton dessin tranquillement, fais pause. Cinquième case, cinquième son. Ici, j'ai une paire de crotales. Ce sont des instruments qui existent en Égypte ancienne et puis beaucoup en Asie aussi. Celles-ci, je les ai achetées à Dharamsala en Inde. Sixième son, sixième case, j'ai une paire de petites cymbales turques. On peut imaginer que ces cymbales, au temps du Moyen-Âge, les cymbales avaient cette grandeur-ci. Après, les cymbales sont devenues beaucoup plus grandes au fil du temps. Donc, voilà, tu peux faire pause sur la vidéo et terminer ton dessin. Septième son, septième case. J'ai ici une kanjira. C'est un petit tambourin indien qui vient de l'Inde. Je ne sais pas bien en jouer, mais il est très spécial parce qu'en fait, il a une peau de lézard. C'est vraiment très spécial. C'est interdit à nos jours, mais je l'avais acheté il y a pas mal d'années, et voilà. Et la peau, elle se mouille, et puis ça nous permet de faire des modulations de hauteur, en fait. Voilà, pause sur la vidéo, finis ton dessin. Et le dernier instrument que j'aimerais montrer, c'est un instrument suisse. Eh oui, à l'origine, il s'appelle un hang, c'est un instrument qui a été fabriqué par deux Bernois il y a bien 20-25 ans. Il y a d'autres fabricants après qui l'ont appelé pan, hand pan, donc un pan où qu'on joue avec les mains. Thank you.
Bravo, et j'espère que tu vas prendre une photo de tous ces beaux dessins et que tu me les envoies par WhatsApp. Comme ça, tu pourras partager à tes copains de ton groupe de percussion. Et moi, je me réjouis de les voir. Merci.